Alors bonjour, je m'appelle Dr V. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre groupe. On va la refaire pour le Pergis. Alors bonjour! Combien de tonnes? Il y a 12 tonnes. J'ai-tu l'album sur moi? Oui, ok, checkez ça. 12 tonnes, dont mineur! Granule! Punkfest! Y'avait des boules zombies qui fait la des œufs pourris. Créature! Langue douce! 5$ la pipe! Service au violent! Service au violent! Je me fais attaquer par des cochons au volant! Tu bouges plate! Draveur! Biscuit social! Biscuit social! Rat d'égout! Et la clinique DML! Ok, fait que moi je tourne. Moi aussi. Mais ça lui se mouche. Alors bienvenue dans mon humble demeure. C'est un camper Glendale 1980 que j'ai acheté et que j'ai pas encore fini de payer. Avant ça, ici, c'est là qu'il y avait le frigidaire au propane 12 volts, mais je l'ai vendu pour être capable de payer les albums. Aussi, on avait un poêle au propane aussi. Je l'ai vendu, puis regardez qu'est-ce que j'ai trouvé hier dans les poubelles. Une belle table tournante en bulle des années 70 ou je sais pas, c'est vieux à maudit. Ok, on va le laisser aller. À moins que tu aies bien vu le petit fumer sa poche comme des vieux. Comme ça, le tard. Ah, oh, maudit! Ça, c'est du cinéma, les gars. Ça, ça sert pas grand chose, hein? On va utiliser un vieux Kodak des années 40, puis on va mettre un film dedans, puis on va aller se prendre en photo pour cette belle journée de tournage. Puis là, avec la magie du montage, vous allez pouvoir voir la photo que ça va donner tout de suite après. Là, arrête de bouger, est-ce que quand il va dire je vivais là, c'est bon, ouais. Avant ça, là, j'avais acheté un autobus scolaire, ok, puis je vivais juste ici de parquer chez Pascal Lavigne. Puis c'était plus difficile la vie parce que c'était un gros boss jaune, puis là, ça dérangeait les propriétaires, ils m'ont dit de sacrer le camp. À cette heure, regardez ça, là, je suis furtif au bout, c'est la même couleur que les buildings. Ouais. L'avez-vous vu le camper? Moi, je l'ai même pas vu, il est caché dans les poubelles, toi. C'est comme dans le vide. Va par là, fais-tu temps, c'est par là. Ah ouais, il vient derrière de lui, ah ouais. Ben, il veut me prendre en photo, est-ce que tu veux? Tenez-vous aussi! Ah ouais, je veux te sauver toi! Ah, ok. On va aller vous montrer le studio à cette heure. Watch-moi, s'il te plaît. Hey, checkez ça, c'est le titre que j'ai pogné à table tournante. Un petit homme en boire une. Yeah. Fait que nous voici dans le studio, mesdames et messieurs. Ici, ça c'est la place où JF joue du piano. Il filme pas, lui. Ben non. C'est pas toi le caméraman de tantôt? Ah, bon, on devrait prendre la VHS puis filmer avec d'abord. Bon, ok, go! On est dans le studio, puis je vais vous montrer ce que le monde y joue. Moi, je joue là d'habitude avec la guitare. Je fais du vocal ici. Ouais. Tu veux peut-être montrer la station d'enregistrement? Hey, c'est un Francis, ça! Il l'a laissé pour le local. Ah, ouais? Ouais, on peut tout t'inquiéter. Ah, donne-moi un shot! Hey, c'est un Francis, ça! C'est un royaume, mec!